ça, le stress. Hein. Salut mon petit Pete, on est où? Oh, on est dans l'aéroport à Libre, où je suis depuis 15 heures. On est à l'aéroport de Glasgow, Édimbourg, et ça fait 100 ans qu'on attend la toolbox de Peter. Bon, c'est frustrant parce qu'on sait qu'elle est juste derrière ces putains de portes, qu'il a un AirTag dans sa caisse, donc on sait que c'est ici. Mais juste, on peut pas retourner dans la zone où les bagages arrivent, parce que c'est une zone antiterroriste, etc. Là, on est en train de gérer avec les gens de l'aéroport pour qu'ils puissent nous laisser passer, pour qu'on puisse récupérer la caisse à outils de Peter, et qu'ensuite, on puisse partir à Fort William, parce qu'il y a quand même 3h30 de route derrière. Là, il est 22h15. On s'est mis une deadline, on s'est dit que si on n'était pas parti de l'aéroport à 11h, on restait ici, dormir dans un hôtel et on se partait tôt demain matin. Ça, c'est un peu toutes les galères qu'on peut avoir dans une année de Coupe du Monde. It's fucking brilliant, Tebow. Bon, on a fini à dormir à l'hôtel et là, direction Fort William. C'est ça. Two drones for breakfast. Track walk. Track walk. Et nous voilà arrivés au Ben Nevis, le sommet le plus haut d'Angleterre. C'est vrai? Ouais, ouais, 200 mètres quoi. Allez Ben, dépêche-toi. Allez. Oh, Tebow, il est net. What's that? Wyatt, notre petit Canadien, il avait pas envoyé la bonne photo. Il se retrouve avec la photo d'un mec random sur son ID. Michel, mon petit Canadien! Il est serré un peu. It's tight. Yeah. Ok, donc là, on allait faire un petit tour au pit. J'ai emmené mon petit Wyatt qui allait chercher un maillot un peu plus grand parce que vous avez vu, il était un peu serré. Nous, avec Glenn, on va aller aux accréditations parce que les championnats du monde, c'est un peu différent. Il faut réussir à avoir son pass un peu pour pouvoir accéder à toutes les zones. De toute façon, mon rôle cette semaine, ça va être un peu de fixer tous les problèmes dès qu'il y en aura. Ça va être mon job cette semaine. Vous allez peut-être pas avoir trop de riding, mais au final, c'est aussi ce que je fais. Bon, je viens de récupérer les accréditations. Regardez-moi cette tronche que j'ai dessus. On a dû en refaire une du coup parce qu'ils n'avaient pas mon fichier. Bon, bref, ils m'ont pris une photo de 2015. Taurine, c'est la bonne photo. Harry Jenkinson, bonne photo. Regardez-moi ça, Ben, ils l'ont pris genre il avait 12 ans, je pense. Et le meilleur pour la fin, mon Peter. Regardez-moi cette photo. What the fuck. Bon, c'est un bordel monstre. Ça, c'est le vélo de Wyatt. C'est son vélo de course. Wyatt, son bike, c'est devenu une épave. J'ai envie de lui foutre des baffes, tellement il nous rend ça comme une merde. Ah, il a 16 ans, mais il prend pas son pneumatos. Bon, on a reçu de la gelée royale. Ouh. C'est de la gelée royale pour qu'on soit en forme. Ouais. Non. Sponsor du coup, G-Technique. Et ça, c'est cool. Bike céramique, c'est genre un... Tu mets ça sur ton bike, et la boue, elle tombe toute seule. C'est de la magie un peu. En gros, c'est tout du bike care, donc c'est microfibre. C'est aussi des produits pour nettoyer le bike. Des petits pinceaux pour que Peter il se les mette dans le... Ah, ah ouais, pas mal. Fort William, hein. Fort William. Et ouais, faut savoir, à Fort William, il y a tellement de moustiques qu'on est obligé de se mettre comme ça. Tout le temps. Des putains de midges. Des putains de midges, donc voilà, faut faire attention à ça. Et je disais, t'as vu, on a des petits pinceaux pour que tu puisses... Ouais, nettoyer le cultivo. Voilà. Je vais aller chercher le petit maillot de Amy parce que du coup, elle a un bike un peu spécial. Elle a les pantalons qui sont arrivés chez Ben et les maillots arrivent dans la même commande que Commensal Mukoff. J'imagine qu'ils ont des pits particuliers. Donc voilà, je vais aller chercher ça maintenant et j'espère que le rendu va être cool. Bon voilà, j'ai récupéré les petits maillots perso de la Micheline pour que ça aille avec son bike. Je pense qu'elle va être bien contente parce que c'est vraiment stylé. Ça a vraiment de la gueule, ça va parfaitement aller avec son pantalon, ça va parfaitement aller avec son bike. Donc bien content de ça. Je pense que ça va bien rendre, j'ai hâte de voir sa tête quand on va lui faire la surprise. Je pense que ça va être bien drôle. Bah voilà, je vais lui amener là et puis on va voir ce que ça donne. Why is everyone filming me?
Oh my god! Come on. It's got on. I want brew, baby! Oh my god! Yeah. Allez, Micheline, montre-moi ton maillot, là. No, not French. No. Wow! Stop! And then... Come on! Come on! Put it on, I want to put my... Come on! I want to wear my... Donc, pour la petite histoire, ça... Iron Brew, c'est une boisson typiquement de où ? Des Écossais. Des Écossais, de là où on est. Ouais. Une boisson typique écossaise. Comme si chez nous en Bretagne, ça serait le Braise Cola. C'est comme si je me faisais un kit Braise Cola, tu vois. Non, mais c'est exactement la même chose. Chine, elle a eu l'idée de faire un vélo aux couleurs d'Iron Brew. Et voir, ça, c'est le logo de la canette. Oh, that looks weird. Elle a même mis des petites bubbles et tout là sur le dessus. Peter, il nous fait de la mécanique de précision. Ben voilà, carrément Écosse, tout le bordel. C'est trop classe, parce que c'est une boisson à gaz. Et donc, elle a aussi ses petits thés de fourche Manitou chromé. Voilà, bien stylé. Et le comble du comble, c'est que genre les poignées d'Haiti, sans faire exprès, elles sont exactement de la même couleur que l'Iron Brew Frame d'Amy. Donc voilà, là tout est prêt. Elle a même eu pour ce World des petites bouchons que je corps anodisé. Parce que c'est arc-en-ciel. Arc-en-ciel pourquoi? Parce qu'elle va être championne du monde. Elle a son nom de marqué ici. Ça c'est Unicorn, c'est l'animal de Scotland. Genre nous les Français c'est le poulet. Ici c'est la licorne. Avant ici il y avait des stickers et genre maintenant c'est Shimano qui a été vraiment genre peint dans le cadre directement. Pareil pour Stans. Donc les sponsors qui sont directement peints sur le cadre. Et voilà, nouveau pédalier, Sane, avec un nouveau chainstay, nouveau dérailleur, nouvel amortisseur. Tout est nouveau. New tires. Des nouveaux pneus. Ouais. Et voilà. Tous les petits détails. Ça c'est classe. Tout est neuf. Tout est neuf sur son micro. Et du coup, Micheline. Du coup, Micheline, je lui ai fait un petit kit. Voilà. Micheline, je lui ai fait son petit kit. Pantalon et tout le bordel pour que ça aille nickel. Ça c'est les Worlds. You're really overthinking this. Mécanique de précision là. Breathe in the carbon dust, Thibaut. It's good feel. You're never gonna be as good as well. I get too much. Brown Conti tires, reserve rims, Shimano brakes and pads. Rotors and pads, that's the word. What? Is... Dude, shot three. Oh, that went hot. Oh, dude, that is gnarly. Regardez mes petits Michel, Micheline, l'Angleterre. GB. Yeah, GB. Oh fuck. Canada. Scotland. Scotland. America. Is it blue team versus red team? The whole time. Yeah, as you should. What is that? Oh my god. It's a custom sleeper. Ok, même l'équipe média, ils ont des custom bikes now. Il y a le pauvre Thibaut qui a faim. Bon allez, nous on va faire du shopping. Oui. Oui. C'est aujourd'hui la mort? It's today that we die? Yeah, maybe. Oh fuck. Elle a eu son permis il y a pas longtemps. Allez hop, elle va nous emmener la Micheline. Allez Micheline! Oh my god! Regardez-moi ces athlètes, ça c'est quand on fait les courses, Michel. Hein. La Liche TV. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait à manger là. Souvent, moi, mes petits athlètes, je leur fais un petit poulet curry.
job avec des petites carottes et son petits oignons. Ça c'est mon junior, il fait toujours de la merde. Bon allez, on a programmé la journée de demain. Donc demain ça va être 6h30 debout pour aller sur piste parce que entraînement pour les juniors. Bonjour. Entraînement super tôt ce matin. On aura fini à midi. Bon. Go au petit déj. We're late. We're not. Get in. No, we're not late. Regardez-moi ça, ça c'est l'outfit pour 4am. Les chaussures qui montent. Toutes neuves, des petites 5-10, toutes belles, toutes propres. Oh, oui, oui. Un pantalon long. Hey. Une casquette. Une capuche que tu peux fermer pour les midges. Un caouet. Et deux gogoles. Ah ouais? Ouais. I go and track with Amy. Hello. Hello, Miss Lynn. Run faster, I'm gonna miss my practice. My race run starts in 2 seconds. Au sommet de la montagne, et là en dessous nous c'est la fameuse motorway. Allez, ça y est, on est en haut de la montagne. On part sur la track walk. Et bientôt la Micheline qui descend. Je suis avec le talkie. Je préviens l'équipe média quand elle arrive. Aussi pour les mécanos qui sont en bas pour savoir quand est-ce qu'elle arrive. Allez Micheline! Bon, premier passage de Micheline avait l'air pas mal. Franchement, ça avait l'air d'envoyer du bois, donc je suis content. Bon, en même temps, c'est un peu sa piste, elle habite ici. Et il y a quand même des changements. Ils ont refait pas mal de choses, ils ont pas mal lissé la piste. Donc ça va être intéressant à voir, ouais. Je suis vraiment en train de checker quelle ligne peut être la meilleure sur la piste. Et je viens de voir que ici on est sur un passage où là on voit il y a une, deux, trois flèches. Et il y a deux possibilités. C'est soit de faire tous les virages comme il fait là. Bon, lui il était pas très rapide, mais soit de faire tous les virages. Soit, voilà, de passer tout droit. Et franchement, je pense que tout droit, c'est plus rapide. Il faut passer quand même deux cailloux, c'est chaud. Mais au final, c'est plus rapide. Donc là, je vais le dire à Amy, je vais le dire à Wyatt. Et je vais essayer qu'il fasse cette ligne la prochaine fois. Donc maintenant, il n'y a qu'une chose qui va être fiable, ça va être le chrono. À l'inter. 5 secondes 48. Go Wyatt! Oh, I brought some lunch. Do you have water? What? Yeah, I've got water. I don't mind that either. I think. Yeah, clean Amy! Ok, je viens de voir Micheline. Ça a l'air d'aller. Là, je vais essayer de la conseiller sur un autre passage. Regardez-moi ça, ça c'était l'ancienne piste, c'était vraiment défoncé, un champ de bataille, le truc des pierres de partout, des virages à moitié faits et tout. Regardez ça aujourd'hui pour les Worlds. Trop belle maintenant, ça donne trop envie de rouler. Je suis un peu deg de pas rouler. Bon là on est dans les bois et franchement, la terre a l'air bijou chez bijou, il a juste plu un peu avant et là ça a l'air comme ça. Malheureusement je crois qu'il va pleuvoir après, il y aura des gros orages et tout, ça risque de changer. Du coup c'est fini pour Amy, elle a fini ses entraînements, il ne reste plus que Wyatt sur piste.
Moi je vais rester un peu pour voir quelles peuvent être les dernières lines que je peux leur conseiller. Il y a du rythme, mon Riot il est à 2000% de ce que je vois. Et Miss ça met du gaz mais je pense qu'elle peut pousser plus. Donc bon, voilà, on va revenir au pit et je vais leur donner les conseils tout à l'heure. Bruno, pour la Liche TV là, tu vas nous les remporter TV. Ces Worlds quoi. Oh là là, c'est allez. Un peu tôt pour se prononcer. Ah. Mais l'envie, de toute façon, comme fait tout le monde, je crois. Donc après, c'est chaud ici quand même. Ouais. Bah ouais, mais y a les Anglais, ils sont chauds à domicile, mais bon. On connaît ta forme des Worlds. Ouais. Moi aussi. On verra samedi soir si ça marche. Mais oui. Milan, tu vas faire quoi là? On va sauter les cailloux. Mais tout à l'heure, on avait vu Pinkerton. Là, il est arrivé là, tranquillou. Et il a tiré au-dessus des cailloux plutôt que de faire le tour. Et là, mon petit Milan Falquet, il vient de s'arrêter. Un bon petit gars, lui. Et il va essayer. Il va sauter par-dessus. Donc on va filmer ça. Visiblement nouveau wall ride. Bon voilà, ma mission de la journée d'aller sur le bord de la piste et de les aider est quasiment finie. J'ai réussi à leur trouver beaucoup de petites lines qui vont les aider je pense pour leur race run. Et voilà, je vais rentrer tranquillement au pit, voir ce qui s'est passé, comment ils se sentaient, est-ce que la mécanique était bonne et tout, et je dirai tout ça. Bon voilà, de retour à l'accommodation après du coup cette première matinée d'entraînement. D'ailleurs tiens, je vais vous montrer comment c'est là. Plutôt stylé, c'est une petite cabane. Hop. C'est assez sympa. Un joli arbre, un joli petit pont, une jolie petite rivière qui passe dessous. Et ça, c'est là où on dort avec mon petit Peter. Voilà, de retour à la maison. Franchement content de première journée d'entraînement. Les juniors vont bien. C'est une bonne chose. Et moi, je suis pas mal fatigué en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer de garder un peu la forme en faisant un petit entraînement, un petit entretien. J'essaie un peu de redevenir fit, un peu voilà, comme je peux. Puis après, je pense que je vais aller me faire un petit sauna. Aussi, il faut vraiment que je vous explique pourquoi je roule pas cette semaine. Simplement, les championnats du monde c'est différent des coupes du monde. Les coupes du monde, si tu as 40 points ici, tu peux participer. Bon, faut quand même déjà être chaud pour avoir 40 points ici. Championnat du monde, donc c'est complètement différent. C'est un peu le même principe que les Jeux Olympiques. Il faut être sélectionné par ton pays. Malheureusement, moi je suis français, donc on est clairement les meilleurs de la discipline. En gros, ils prennent 7 pilotes français. Et pour ces 7 pilotes français, bah c'est simple. Par exemple, ils prennent Loïc Bouny, Loris Verger, Amaury Piron quand il est là et qu'il peut rouler. Benoît Coulanges, d'après là, vous voyez, il y en a déjà 5. Et puis si derrière tu rajoutes des gars comme les Piron, Thirion, etc., etc., tu te retrouves forcément derrière ces 7 gars. Pour ma part, en tout cas. Donc voilà, très compliqué d'être sélectionné quand t'es français au championnat du monde. Que voilà, je fais pas partie des 7 sélectionnés pour les championnats du monde. Peut-être qu'un jour je le serai si jamais j'augmente mon niveau et que j'arrive à aller plus vite. Du coup, pourquoi je ride pas? Mais dans tous les cas, moi j'ai un deuxième job, c'est team manager. Gérer mes petits juniors, moi, Michel, ma Micheline. Donc j'ai aussi un autre job à faire et voilà, c'est aussi intéressant. Franchement, je vis à travers eux le truc et du coup, ça me donne envie de me donner à 100, 200% pour qu'eux réussissent le mieux possible. Donc c'est aussi intéressant.